Ma Mission TV, le miroir du monde. Je remercie les deux chefs d'État de la République démocratique du Congo et de Kenya. Et nous parlons ici de notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fadji Béton. La vitesse de croisière dans 30 minutes. S'il vous plaît, attachez vos ceintures. Merci. Matata Bokanga, la ceinture n'a bien décollé si qu'il est dans magie. Donc on atteindra vitesse de croisière n'a bien saut dans 30 minutes.
Ma Mission TV, le miroir du monde. How are you? We are very good. Thank you.
Pour l'instant. La vitesse de croisière dans 30 minutes. S'il vous plaît, attachez vos ceintures. Merci. Atata de Kobo Kanga, la ceinture n'a bien l'opportunité de décoller ce point. Donc, il est dans le donc, on atteindra la vitesse de croisière n'a bien saut dans 30 minutes. Merci Mengi.
Parce que aux Alaawa pour y avoir avion y a Congo Airways, bisous aux Alibes, membre de la commission infrastructure transport. Donc aux Alaki na obligation y a Koya total pour y avoir avion Oyo ministre a distribution que 7 aux Alis Koya avion y a Sika. Donc je pense que pour la bisous aux très satisfait. Donc Pessi Longonia na gouvernement y a République pour vendre na Tata Mokunza Ekolo Félix Tshisekedi. Na premier ministre na ye, na ministre ya transport surtout azo porter vision ya mokonzi mboka to sengi na ye a continuer ko sala koleka oyo asali pona lokumu ya mboka na ya Congo. Message na bana Congo lenge bana Congo to batela yango ezate okoti na kati o juste izo okati o yibie loko ou bien non to batela yango to linga compagnie na biso national. Je pense que ezo sala lokumu ya mboka na biso Toto ça surtout pour la compagnie Toto sa réduction y a bas prix. Bisso Tozali informé que Bakati biloko apolé en avion. Je pense qu'en tant que député national Tokolande la Likambowana, faut tout comprendre pourquoi réduction y a prix y a billet et Kati bas privilège Moussousou y a bas voyageur. Mais bas billet peut aussi d'accueil. Non bas billet ici ça c'est vrai. Donc bas au bas bas billet ici je pense que bas ça ennemi y a social y a peuple. Bas billet ici mais il faut tout l'amener là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les appareils cellulaires sous mode silencieux pendant que l'éducation et du désenclavement. Excellence, Madame, Monsieur le Ministre, membre du gouvernement présent dans cette salle, honorables députés nationaux, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Kenya en République démocratique du Congo, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République fédérative du Brésil en République démocratique du Congo, Monsieur le secrétaire général au transport, voie des communications et des désenclavements, Monsieur le directeur général du Congo Airways, Monsieur le secrétaire général de l'INEPES, Mesdames et Messieurs, le cadre et agent des Congo Airways, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, après la coupure du ruban symbolique par Son Excellence Monsieur le Ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, marquant ainsi la réception solennelle de deux Amber et 190 en faveur des Congo Airways, fruit du mémorandum d'entente entre
Congo Airways, Kenya Airways, signé le 22 avril 2021 en présence de nos deux chefs d'État, Son Excellence M. Antoine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Uhuru Kenyatta de la République du Kenya. Permettez-moi, mesdames, messieurs, de vous présenter très rapidement la suite du programme de cette cérémonie. Pour commencer, nous allons inviter le directeur général du Congo Airways pour son mot de remerciement, suivi du mot de son excellence, monsieur l'ambassadeur de la République du Kenya, puis interviendra l'allocution de son excellence, monsieur le ministre de Transport, Voies des Communications et des Enclavements. Et puis, pour clôturer, son excellence, madame la ministre d'État, ministre du portefeuille, va placer un mot et un cocktail va vous être servi à la fin de notre programme. Avec votre autorisation, excellence, madame la ministre d'État, je voudrais à présent inviter Assel Itran, le directeur général de Congo Airways, à bien vouloir prendre la parole pour son mot de remerciement. Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille, Excellences, Monsieur le ministre du Transport, des voies de communication et de désenclavement, honorables députés, Excellences, Mesdames, Messieurs du gouvernement, Excellences, Messieurs les ambassadeurs de la République du Kenya et du Brésil, Monsieur le secrétaire général au transport, Monsieur le secrétaire général de l'IDPS, Mesdames, Messieurs les agents cadres de Congo Airways. Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectives, je vous souhaite la bienvenue. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation sous l'impulsion du chef de l'État, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous matérialisons ce jour le mémorandum d'entente signé entre Congo Airways et Kenya Airways. En présence du président et social, s'inscrit totalement sur cette vision, notamment avec la mise en application effective de la politique tarifaire du gouvernement que dirige Son Excellence Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde-Kyi. Cette mesure, arrêtée par le ministre de l'Économie nationale, après concertation avec les opérateurs du secteur, a boosté la demande. L'absorption de celle-ci, devenant de plus en plus grandissante, a motivé l'acquisition de ces deux aéroports. Le troisième est attendu incessamment. Avec l'arrivée de ces deux aéronefs, Embraer E190, les deux compagnies nationales porte-étendard de leurs pays respectifs renforcent leur viabilité économique. Par une synergie d'efforts et un échange de services et de compétences, le secteur de l'aéronautique a été touché par les effets négatifs de la crise sanitaire de la Covid-19. Par la mutualisation de leurs efforts et le soutien de leurs États, plusieurs compagnies à travers le monde sortent peu à peu de la zone rouge. Cette synergie Kenya Airways, Congo Airways, saura faire des merveilles pour le bien de la population congolaise. Nous remercions l'accompagnement de Madame la Ministre, ministre du portefeuille, du ministre du transport, aux voies de communication et de désenclavement, ainsi que celui de l'ensemble du gouvernement. Ainsi, j'ai l'honneur de vous inviter sous la coordination du protocole. En fait, nous avons déjà visité ce speech avec été préparé avant. Donc, je vais remercier le CEO de Kenya Airways, M. Alan Kilavuka,
qui nous a fait l'honneur de venir nous livrer cet avion en personne. C'est-à-dire que c'est une première, le CEO de Kenya Airways qui se déplace pour venir livrer cet avion ici à Kinshasa. Sur base de cette volonté, deux compagnies, Kenya Airways, Congo Airways, ont signé des accords, des MOU. Aujourd'hui, nous vivons la matérialisation de cette volonté et de ces accords. Ces accords portent aujourd'hui sur la location de deux aéronefs, un troisième qui est en suspens. Vous voyez cet avion, l'Embraer, qui est très performant. C'est un avion de marque brésilienne. Ça marque également une coopération sud-sud. Le Kenya est au sud, avec le Congo au sud, avec le Brésil qui est au sud. Cette coopération, c'est un partenariat de deux compagnies aériennes qui sont certifiées IOSA. Elles sont membres de l'IATA et membres de l'AFRA. C'est une symbolique forte et qui va nous porter de l'avant. Je dis, je vous remercie. Kenya was considered an Anglophone country, and DRC was considered a Francophone country, and then the two could never be good friends. Depuis longtemps, le Kenya est considéré comme un pays anglophone de par son histoire, et la RDC est un pays francophone de par son histoire. But since 7 years now, depuis, we have tried to overcome that barrier. Mais depuis 7 ans, nous venons de franchir cette barrière. We are all brothers. Nous sommes tous des frères. We have a lot of things in common. Nous avons beaucoup de choses en commun. If you come to Nairobi in the evening, you think you are in Kinshasa because of the nightclub music. It's all glorious. Et si vous venez nuitamment à Nairobi, vous aurez l'impression d'être à Kinshasa parce que dans tous les clubs, on ne joue que de la musique congolaise. When Kofi Olomide comes to Kenya, it's a national holiday. When Kofi Olomide comes to Kinshasa, nous sommes à That shows how culturally compatible we are. Ça montre cet esprit combatif que nous avons en commun. We all speak Kiswahili. Especially the East. Nous avons une langue commune qui est le Swahili, spécialement à l'Est. Language is what brings people together. La langue est ce qui réunit les gens ensemble. So our two presidents have decided that we must deepen and strengthen the relationships between our two countries. C'est ainsi que nos deux chefs d'État ont décidé qu'il fallait consolider ces relations et cette amitié. In April, our president came to DRC to meet his colleague, the president of DRC. Au mois d'avril, notre président kenyan est venu ici à Kinshasa pour rencontrer son homologue président. They signed very many agreements, among which was the agreement to sign between Congo Airways and Kenya Airways. Ils ont eu à signer plusieurs protocoles d'accord, et notamment un protocole qui concernait Kenya Airways et Congo Airways. The reason being that députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs, les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, le Président du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, distingués invités, vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. C'est un honneur pour moi et un agréable plaisir de vous accueillir sur cette plateforme aéroportuaire de Kinshasa Ndjili à l'occasion de la réception ce jour d'un avion de type Embraer T190 de la compagnie aérienne nationale Congo Airways. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en ce moment,
où le monde est confronté à des défis majeurs dus à la pandémie à Covid-19, les secteurs dont l'aviation se retrouve le plus impacté et notre pays n'en a pas été épargné. Alors qu'une remontée pointe à l'horizon, l'arrivée de cet avion est un gage de confiance que nos partenaires font à la RDA. En effet, en l'instar des compagnies aériennes internationales qui ont fait confiance à la RVA en alignant leurs aéronautes de dernière génération sur nos plateformes aéroportières, la compagnie aérienne nationale vient à son tour d'élargir sa flotte par l'acquisition de séjours pour être pris en charge par les services de la RVA. Excellence. Honorable député, Excellence, Monsieur le ministre, Madame et Monsieur le ministre d'État, Excellence, Madame et Monsieur le ministre et vice-ministre, chers collègues, avant toute chose, je voudrais dire sincèrement merci. Merci aux deux chefs d'État, ici j'ai cité Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et Son Excellence Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, dont la volonté politique manifeste nous amène à cette cérémonie. Dans leur vision, ils ont voulu privilégier la coopération entre les États africains pour réduire nos fragilités et ensemble consolider leurs forces afin que nous soyons en mesure de relever les défis qui se présentent à nous. Excellence, Monsieur le Premier ministre, comment ne pas être ému par votre présence ici? Lorsque je me rappelle toutes vos exhortations au Conseil des ministres, où vous nous dites, il faut le résultat. Vous avez l'obligation du résultat. Vous avez des défis à relever et ce gouvernement doit montrer au peuple congolais qu'il est capable de lui ramener cette espérance nouvelle d'un grand pays, un État fort, prospère et solidaire. Votre présence ici, Excellence Monsieur le Premier ministre, nous donne encore envie d'aller très loin dans cette philosophie en disant que la République démocratique du Congo, sans transport, moyen de communication, il serait illusoire de penser que réellement nous pouvons relever le défi du développement de notre pays. J'en suis bien conscient et c'est pour ça que je suis en train de m'évertuer pour que ce ministère puisse relever le défi de notre désenclavement. Nous avons un territoire de 2 345 000 km². Aujourd'hui, nous avons une population de 80 millions d'habitants, c'est un sous-continent. Et si nous arrivons, sous votre impulsion, à relever ce défi de la circulation de personnes et de biens, nous serons cette porte-étendard de toute l'Afrique pour nous commettre dans un avenir de développement harmonieux. Je voudrais aussi dire à Monsieur l'ambassadeur du Kenya, tout notre honneur de vous avoir avec nous ici. Le Congo, la référence de la République démocratique du Congo, n'est pas que la musique, bien sûr, c'est, nous sommes fiers de cette richesse culturelle. La République démocratique du Congo, ce n'est pas simplement Kamuley, Kofi Olomide et j'en passe. La République démocratique du Congo, c'est aussi ses 80 millions d'habitants, c'est aussi ce vaste territoire qui se trouve aujourd'hui dans une situation difficile, mais dont l'ambition du Premier ministre et de l'ensemble de son gouvernement est de relever ces défis pour que nous soyons réellement un grand pays. Donc, cette coopération que nous sommes en train d'inaugurer aujourd'hui n'est que dans son début. Il y a beaucoup d'autres opportunités que nous allons ensemble exploiter pour que ce rêve partagé que venait d'évoquer le CEO
de Kenya Airways, d'avoir demain, pourquoi pas, une très grande compagnie aérienne, comme l'impulsion était déjà donnée dans le temps, dans les années 70, par le Léopard volant Air Zaïre, parce que ce pays avait une très grande compagnie aérienne nationale, pourquoi pas ne pas réaliser, matérialiser ce rêve de voir les grands États africains réunir leurs forces pour que, sous l'impulsion de ce pays qui se trouve au confluent de pôles économiques, qui se trouve au cœur de l'Afrique, qui est cette gâchette du revolver de l'Afrique, pour que le développement de ce grand continent puisse être harmonieux, puisse se faire, vous devez transmettre notre message au gouvernement kényan pour dire, en République démocratique du Congo, sous l'impulsion du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge, nous sommes bien engagés à relever ces défis de notre continent. Je ne voudrais pas ici abuser de votre temps, Excellence Monsieur le Premier ministre. C'est sous le signe de l'espoir, sous votre impulsion, cette République doit démentir ce grand paradoxe d'un pays aux richesses scandaleuses, mais qui malheureusement a des populations scandaleusement pauvres. Nous sommes donc encouragés par votre présence, par cette impulsion que vous cessez de nous donner pour que nous soyons dignes d'être de véritables warriors que vous présentez à la République. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les dirigeants de cette République, que Dieu bénisse la coopération entre la République du Kenya et la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Très respectueusement invité, Son Excellence Madame la Ministre d'État, ministre du Portefeuille, à Yaoundé. Passage, s'il vous plaît. Premier ministre du gouvernement, avec l'expression de ma profonde gratitude, Excellence, Monsieur le Ministre d'État, ministre, vice-ministre et chers collègues, honorables députés, distingués invités. Je rends grâce à notre Dieu, le Sauveur puissant, le Maître du temps et des circonstances, qui a bien voulu que cette cérémonie puisse s'éteindre maintenant et en ces lieux. C'est un grand jour, le 15 septembre. 2021 restera dans les annales de l'histoire de notre pays. C'est le même jour que le chef du gouvernement a déposé le budget 2022 dans le respect des prescrits de la loi suprême, la loi fondamentale à cette disposition des 126. Je peux dire que c'était à l'aurore de ce jour et nous trouvons au crépuscule le ciel bleu s'est mué aux couleurs de Congo Airways, donc blanche et bleue. Donc pour moi, ce n'est pas le crépuscule, c'est le jour qui vient de sceller le travail, tel que repris dans les piliers 5 de notre programme de gouvernement, qui était adopté par l'Assemblée nationale le 26 avril 2021. Je remercie les deux chefs d'État de la République démocratique du Congo et de Kenya. Et nous parlons ici de notre président, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatshi Béton. Il vient de bétonner les ciels.
par sa vision partagée sous l'œil vigilant du premier warrior. J'ai cité les deux fils du pays, Sama Lukonde Kyenge, le chef du gouvernement. En ces jours, je n'ai qu'un souvenir où le chef du gouvernement m'avait reçu quand le directeur général des Congolais est venu me parler que nous devons avoir cédé Embraer et 190. Je suis allé dans le bureau du premier ministre. J'ai plaidé. Il m'a demandé combien il fallait pour ajouter. Je le lui avais dit de mémoire parce que c'était un projet qui était clair et potable. Et aujourd'hui, nous avons cet appareil. Vraiment, je remercie d'une manière particulière le chef du gouvernement qui a instauré un système de la gestion des proximités avec ses warriors. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, de palper cette résultante. C'est une fierté pour ce gouvernement. Et une fierté aussi pour cette équipe intérimaire que nous avons mise, mais qui vient de faire preuve d'un travail de qualité, d'un travail qui vient de donner la fierté de notre pays, la République démocratique du Congo. Et nous remercions aussi l'ambassadeur de la République de Kenya. Nous remercions le directeur général. Pour avoir accepté de venir fouler le sol congolais. Et j'espère que avec les pouvoirs et les vouloirs de Fatih Béton, le deuxième Embraer va encore atterrir sur notre sol avec vendredi, les jours du Conseil des ministres que le chef de gouvernement, sûrement naturellement, va présider. Et le temps que nous serons au Conseil des ministres, nous aurons un appel téléphonique pour nous dire que le deuxième Embraer vient de fouler le sol. Et je vais encourager encore le directeur général, le DG et votre adjoint que vous puissiez continuer pour que vous puissiez encore aller très loin de ces projets-là que vous-même vous connaissez que je ne peux pas livrer ici. Merci encore à notre premier warrior et le Seigneur vous bénisse. Mission TV, le miroir du monde.